vous entendez, mais je suis pas à côté de la sonore, je suis un peu sur sa droite. Venez par là, voilà, vous voyez. Donc, c'est une course contre la faim. On vous a expliqué peut-être le parcours. Le départ est juste derrière moi. Vous allez prendre le chemin. Ouais. Alors bonjour. Bonjour. En cette belle journée, on a le plaisir de courir pour vous, mais qui êtes-vous ? Alors moi, je fais partie de l'association qui s'appelle Action contre la faim. Donc les élèves aujourd'hui courent à l'occasion d'un projet qui s'appelle la course contre la faim. Et cette course permet de financer nos programmes dans 4 pays. Cette année, ce sera le Bangladesh, l'Irak, le Burkina Faso et la France. Super. Alors, on est donc ici à l'arrivée de la course contre la faim, où on va comptabiliser le nombre de tours que chaque participant a fait. Donc, cela permet de récolter des dons pour une association qui lutte contre la famine au Bangladesh. Salut. Alors, tu peux m'expliquer pourquoi tu as couru ? Bah, pour contre la faim, c'est ce sont je crois. Et en gros, suivant le nombre de tours qu'on fait du lycée, on met de l'argent. On a des parrains, soit nos profs, soit nos parents, soit notre famille, qui on leur demande de nous parrainer pour la course. Et en fonction des tours qu'on fait, ils peuvent donner l'argent qu'ils veulent, etc. Donc voilà. Ah bah super, bravo. C'est une bonne cause et voilà. Pas trop fatigant ? Un peu là, c'est chaud et combien de kilomètres ? J'ai craqué la petite crampe, mais sinon ça va. Combien de kilomètres ? Je crois que le tour c'est 1 km, du coup j'en ai fait 9, donc 9 km je crois. Ah ouais, 9 km quand même ? Ouais, ouais. C'est un peu plus que moi alors. Félicitations. Belle journée, belle organisation, des élèves formidables qui sont là au rendez-vous, une organisation tenue par une main de maître avec Madame Bachelry, Madame Druen, les équipes, l'équipe de choc avec les agents de maintenance qui ont nettoyé tout le parc. Voilà, donc super. Eh ben c'est super tout ça. Et qu'est-ce qui vous lie au lycée Sud-Médoc ? Parce que je crois qu'il y a quelque chose d'un petit peu particulier. En fait, c'est un établissement qui porte le projet depuis 3 ans maintenant, avec un succès qui ne se dément pas d'année en année, une mobilisation de plus en plus belle. Et puis, comme on le voit, une participation assez incroyable des terminales déguisées, et un enthousiasme qui est débordant et très agréable à suivre. Donc c'est un plaisir de les accompagner, d'accompagner toute cette équipe aussi. Qui portent ce projet, ces jeunes qui s'engagent pour mobiliser toute leur communauté lycéenne. Donc voilà, moi c'est avec plaisir que je suis à leur côté et que je les accompagne comme je peux. Allez.